Bonjour à tous. Il faisait très froid ce matin dans les Hautes-Alpes, dans les Pyrénées ou bien dans le Limousin, avec en prime la neige qui s'invite depuis ce matin entre la Normandie et quelques départements franciliens, par exemple le Val-d'Oise ou bien les Yvelines. Alors cet après-midi, on va conserver ce secteur avec pluie et neige mêlées, localement quelques flocons de neige, mais qui ne tiendront pas au sol. Encore quelques giboulées de neige en très faible quantité sur l'est de la France. Une zone de temps beaucoup plus sec, parfois ensoleillée entre le nord et les Ardennes, de même qu'autour de la Méditerranée, où nous aurons encore beaucoup de mistral, et puis le ciel de plus en plus nuageux à l'ouest à l'approche d'une nouvelle perturbation. Les températures prévues pour cet après-midi inférieures de 1 à 2 degrés au normal de saison, prévoyez 1 à 13 degrés. Alors l'évolution pour ce soir, cette nuit, avec cette zone de pluie qui va concerner les régions allant de la Haute-Normandie jusqu'au sud-ouest de l'Île-de-France, l'arrivée de la pluie sur la Bretagne et ailleurs, un temps qui sera bien sec, bien dégagé sur tout l'est de la France. Mais ce sont les températures qu'il faudra surveiller, avec déjà à vers 22h, moins 5 degrés attendus à Besançon, température négative sur tout l'est du pays. Elles seront proches de 0 degré sur les régions centrales. Et puis pour demain matin, on va retrouver un épisode neigeux qui va s'étendre de la Normandie jusqu'aux Cévennes pour se décaler dans l'après-midi davantage vers la région Rhône-Alpes. Cette neige tombera en faible quantité, moins de 5 cm, mais elle risque d'entraîner des problèmes de verglas sur les routes. Donc soyez prudents sur ce secteur. À l'arrière, de la pluie, c'est le début du redoux, des averses près des côtes. Et puis sur le nord-est, là, le ciel sera bien dégagé. Mais attention, la matinée s'annonce particulièrement froide. Au lever du jour, des températures inférieures de 4 à 5 degrés au normal de saison. Ce sera la matinée la plus froide de la semaine sur l'est de la France, avec ce minimum de moins 9 degrés à Besançon. L'après-midi, pas de dégel dans le nord-est et le redoux qui se manifeste à l'ouest. Tout de suite, Laurent Delahousse, à tout à l'heure.